Alors je veux dire à quelqu'un, yeah. À sa femme, à la gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est, qui vient, le nation du savant, l'église de la bonne, l'étoile brillante du matin, j'ai vu que tu allais faire mieux que moi. Pas la
louange, tu peux recevoir ta bénédiction. Alléluia. J'ai dit la foi de l'air pour que Dieu te démarque. Fais-toi rematter. Alléluia. C'est important. Tu as dit que c'est important. Tout ce qu'on va dire, dis-moi, c'est important. C'est important. Alléluia. Amen. Ah. C'est nous celui qui a sa dîme, tu peux t'approcher la même bouche. Il y a des personnes, tu es trop ingrat. Tout ce qu'on va dire, c'est que tu es trop ingrat. Tu es ingrat. Non, ah, regardez, regardez. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es ingrat. Enlève les yeux, dis, tu es trop ingrat. Dis voisin, tu es trop ingrat. Ouvre les yeux, dis, tu es trop ingrat. Souvent, il y a cette personne qui dit, adorant le Seigneur, puis tu es là, tu réalises les gens. Non, tu es trop ingrat. Il n'a rien fait pour toi. Yes. Non, est-ce qu'il n'a rien fait pour toi? Est-ce qu'il n'a rien fait pour toi? Ah. Alléluia. Amen. Parce qu'il me pose, il a trop fait pour moi et il continue de le faire. Ah. C'est pourquoi je ne peux pas fermer ma bouche. Bien sûr. Je ne peux pas fermer ma bouche, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Souvent, quand on dit aux chrétiens, adorons le Seigneur, tu es là, tu réalises les gens. Mes amis, écoutez-moi très bien. Une bouche qui est fermée, qui ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est une destinée qui est fermée. Voici pourquoi, par moment, il y a des chrétiens, tu es là, tu es seulement, tu ne comprends pas ta vie, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends pas, tout est bloqué. Mes amis, c'est parce que tu es quoi? Tu es quoi? Apprends bien. Tu es quoi? C'est pas moi qui ai dit. Tu es quoi? Tu es quoi, l'église? Est-ce que tu me comprends? C'est une destinée qui est fermée. Chanter pour que tu puisses le suivre. Adoration, là, c'est pas seulement yeah, tu es même. Il faut dire à Dieu ce qu'il est. Il est Adonai. Yes. Il est le Nassi de Saron. Il est l'Élis de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'homme de Galilée. Il est le plus beau parmi mille. Il est celui qui tient la chose à lui. Lève tes mains simplement. Lève tes mains simplement. Lève tes mains. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Commence à parler au Seigneur. Commence à parler. Une onction dont tu ne sais pas apprécier ne peut jamais t'affecter. Ça, c'est bien. Amen. Ouais. Regardez, ça fait maintenant près de combien de semaines? Quatrième semaine. Je peux me lever prêcher. Mais je sens qu'il doit prêcher. Amen. Ouais. Je sens qu'il doit prêcher. Donc je le laisse prêcher. Amen. Donc ça veut dire que si lui prêche et que je sens qu'il doit prêcher, ça veut dire qu'il peut nous bénir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans ces temps précis, Dieu veut passer par lui pour affecter la vie de quelqu'un. Mais pour que ta vie soit affectée, il faut savoir le recevoir. Voici pourquoi la Bible dit, attendez d'abord. La Bible dit dans les actes des apôtres. La Bible dit le peuple célébrait les apôtres. Ils n'ont pas dit le peuple célébrait Dieu. Ils m'ont dit le peuple célébrait les apôtres. Est-ce que tu peux le célébrer? Tu peux. Est-ce que tu peux te célébrer le temps maintenant? Je dis que c'est vrai que tu vas célébrer. Maintenant, c'est toi qui te célèbre maintenant. Est-ce que tu peux te célébrer le temps maintenant? J'attendrai jusqu'à ce que tes bras les sont. Demandez encore une chose.
Est-ce que tu peux acclamer la vie de l'homme de Dieu ce matin? Acclame la vie de l'homme de Dieu. Tu te passes à toi et acclame la vie de l'homme de Dieu. Que tu as debout et toi acclame la vie de l'homme de Dieu. Que ce qui est primordial dans la vie d'un chrétien. Et nous venons à l'église, frère. Nous disons que nous adorons Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes dans ce monde. Dans ce monde de Dieu, avec plein de systèmes, Père de Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Étant enfant de Dieu, qu'est-ce qui prime dans ta vie, Père de Dieu? Quel est ton objectif premier lorsque tu te lèves le matin? Quelle est ta première préoccupation, Père de Dieu? Parce que souvent, nous avons des préoccupations qui sont contraires à la parole de Dieu. Qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et quand c'est comme ça, on se lamente, on se plaint qu'on ne voit rien. On se plaint que rien ne va, que rien ne marche. Mais qu'est-ce qui est primordial pour toi, Père de Dieu? Quelle est ta première position dans ta vie? Quels sont les thèmes qui priment dans ta vie, Père de Dieu? Tu mets qui au devant de tout ce que tu fais? Dans le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, là il va dire au commencement Dieu. Au commencement Dieu était Dieu. thank you.
Esaïe 48, tu vas lire ceci. Esaïe 48, verset 12. Il dit, écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. Il dit, c'est lui qui est le premier. Dieu parlait à Jacob pour dire ainsi à Jacob. Aujourd'hui, même de Dieu, nous formons des projets, nous avons de belles idées, mais malheureusement, nos projets n'aboutissent pas. Parce que nous n'avons pas mis celui qui a en première position, Père de Dieu, à la place qu'il faut. Aucun homme ne peut te le donner si ce n'est pas Dieu. Et même si un homme te le donne, c'est Dieu seul qui peut éclairer ton cœur. Tu es pressé pour te marier, mais tu ne demandes pas à celui qui donne le mari. Tu es pressé pour voyager, mais tu ne demandes pas la vie. Voyager, non, peut-être que non. Est-ce que Dieu t'a appelé à te marier? Peut-être que non, parce que tout n'est pas appelé à se marier. Il faut qu'on se le dise. Si l'enlèvement aujourd'hui, est-ce que tous sont mariés? Non, on n'est pas tous appelés à voyager. Peut-être Dieu, c'est quand on voyage pendant 20 ans, 30 ans, et puis on ne voit rien. Donc, on voyait seulement que 6 mois, en même temps, le bonheur est fou. Mais pourquoi ça a été ainsi? Quand on perd la vie le jour de leur mariage. Donc, en plein nuit de mort, Père de Dieu, ils ont perdu la vie. Mais pourquoi ça a été ainsi? C'est qu'il n'est pas appelé à se marier. Chrétiens, quand ils viennent à l'église, quand les hommes de Dieu commencent à prophétiser, quand on dit mention de mariage, tout le monde tombe en transe. Quand on dit mention de voyage, quand même c'est gâteau, hein. Il n'a pas de visa, mais il se voit déjà en panne. Tu as mis Dieu au devant de tes projets. Peut-être que ce matin, je vais t'appeler à comprendre quelque chose. Ce que tu dois savoir, c'est que aucune chose ne peut se faire dans ce monde sans la volonté de Dieu. Ne peut pas atteindre à ta vie si Dieu ne lui a pas permis cela. Le diable ne peut rien te faire aussi longtemps que Dieu va refuser qu'il atteigne ta vie. Il ne peut pas atteindre à tes projets si le terrain n'a pas voulu. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Elle est approchée à Dieu. Si Dieu n'a pas décidé, si tu forces, tu vas mourir dedans. Tu ne peux pas voyager si Dieu n'a pas décidé. Donc arrête de demander la vie des hommes. Parce que tu vois, c'est comme ça.
Allô papa, le monsieur a vu les barrières. Qu'est-ce que tu fais? Et papa, tu as peur. Dieu t'a dit quoi? Tu vois, on est tellement prêt de se marier qu'on est prêt pour se jeter dans les bras du premier venu. Tu vois, lorsque l'âge avance, si tu cas, lorsque l'âge avance, dans la rue, c'est une catastrophe. C'est l'objectif. À côté de ça là. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à porter alliance? C'est que tu dois comprendre de Dieu. C'est que celui qui met Dieu au devant de tout ne suis jamais. Si tu mets Dieu en première position dans tes projets, dans tes activités, l'ennemi peut te combattre, mais tu auras toujours la victoire. Combattu. Le contraire de l'homme que tu es beaucoup avec Dieu, que tu es beaucoup combattu. Parce que comme dans un système dans ce monde, tous ceux qui sont avec Dieu sont combattus, mais ceux qui sont avec Satan ne sont pas combattus. Mais cela ne doit pas t'empêcher de mettre Dieu en premier. Pourquoi peut-on te dépasser? Une parenthèse, de la tribu de Dieu, on dit quoi? On dit Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Et il est omniprésent. Dieu est omniscient, pourquoi? Parce qu'il sait toutes choses. Donc celui qui sait toutes choses là, lorsque tu nous confies une situation, il ne peut pas échouer. Quelqu'un qui est le plus puissant de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que peut le résister? Rien. On dit qu'il est le plus puissant. Ça veut dire qu'aucune force ne peut le résister. Donc quand tu nous confies tes projets, il est capable de te donner la victoire. Il est omniprésent, Père de Dieu. L'Éternel voit toutes choses. L'Éternel est présent partout. Lorsque tu viens voyager, que tu lui confies ton voyage, lui qui voit ce qui t'attend là-bas, il va prendre soin de toi, Père de Dieu. Il va te précéder, il va placer tout cela à ta faveur. Donc si tu as pour habitude de formuler des projets sans demander la vie de Dieu, sans mettre Dieu en première position, tu vas commencer à le faire. Aussi longtemps que tu vas mettre Dieu en première position, Père de Dieu, tu ne jureras jamais. La victoire peut tarder, mais tu ne jureras jamais. Parce que tu dois mettre en première position, Père de Dieu. Position, Père de Dieu, nous allons parler de la parole. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 1 à 5, avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ici on parle de la parole de Dieu.
Dieu fait la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne veux pas sa parole. Parce que qui dit la parole de Dieu, on voit Dieu dans sa parole. On attend Dieu dans sa parole, Père de Dieu. Dieu te démontre dans sa parole. On va encore lire psaume 119, verset 105. Pour que tu puisses comprendre quelque chose. Psaume 119, verset 105. À mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, Père de Dieu, a la possibilité de t'éclairer. La parole de Dieu, peuple de Dieu, nous prend la connaissance de Dieu. Donc celui qui lit continuellement sa Bible, la Bible de Dieu protège la connaissance et le savoir. Mais tu ne peux pas connaître le Dieu qui a pris des productions si tu ne maîtrises pas sa parole. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes confrontés à plusieurs situations. Mais il est difficile pour nous de résoudre ces situations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Les chrétiens aiment louer Dieu souvent. Les chrétiens aiment venir à l'église. Mais il est difficile pour les chrétiens de méditer la parole de Dieu. Mais il n'est pas difficile pour le chrétien, peuple de Dieu, de parcourir les réseaux sociaux. Il va lire tous les commentaires, toutes sortes de publications. Il sait ce qui se passe dans le pays. Il sait qui est sorti, qui est rentré. Il a le temps, peuple de Dieu, pour lire les articles. Mais il n'a pas le temps pour étudier la parole de Dieu. Il n'a pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que la connaissance de la parole de Dieu se définit à 4 points. Tu ne peux pas dire à 4 niveaux, peuple de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, peuple de Dieu, ils n'ont pas de poids devant les choses du monde. Ils n'arrivent pas à se défendre. J'ai vu des chrétiens renier Dieu, Père de Dieu, dans les chaînes de télé. J'ai vu des chrétiens renier Dieu. Non, Dieu, non, Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi tu le dis? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller loin dans ton parcours si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. La seule chose qui peut t'amener loin avec Dieu, c'est la connaissance de sa parole. Parce que pour prendre Dieu au mot, c'est quoi? C'est le travail de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que tu dis dans sa parole? Pourquoi savoir tout cela? C'est de méditer la parole de Dieu. Souvent nous sommes face à des situations. En pourtant, la solution se trouve dans sa parole. Mais comme on n'a pas la connaissance de la parole, il est difficile pour nous de résoudre ce problème. Et après, on va prendre ce plein.
de les hommes de Dieu nous escroquent. Mais si toi-même tu avais la connaissance, tu pouvais régler ton problème. Et de Dieu, comme je le disais, j'ai dit la connaissance et la parole étaient finies dans ta poème. On va prendre 1 Timothée 3, verset 16. En 1 Timothée 3, verset 16. Hein? On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais là, on parle précisément de la parole de Dieu, Dieu de Dieu. On dit la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Premièrement, pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger et pour t'instruire dans la justice. Donc pour que tu puisses obéir à Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole. Pour que tu puisses avoir la connaissance et la sagesse, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Père de Dieu, te permet de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais le premier niveau de la connaissance de la parole de Dieu, Père de Dieu, là on parle du lait. On sait tout de suite que le lait, Père de Dieu, c'est pour les nouveau-nés. Le lait, c'est pour les bébés. Que les hommes, même chez les animaux, les premières nourritures de Dieu, ça s'appelle le lait. Je n'ai pas encore vu un bébé qui est né automatiquement, on lui donne du riz, mais du maïs, c'est forcément du lait. Donc tu vas prendre ta vie dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 2. La parole. Il dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Quand vous ne pouvez la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Chrétiens, peu de Dieu, ce sont des personnes, peu de Dieu, malgré qu'ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont envieux, ils sont charnels, ils sont jaloux. C'est l'état, peu de Dieu, où Dieu nous appelle à connaître le bien et le mal. Tu es encore jaloux de ton frère. Tu es encore envieux d'une personne. Il y a des personnes que tu salues. Il y a des personnes que tu ne salues pas. C'est que tu as le tas du lait. Parce que souvent on vient à l'église. Mais dans notre maison, il y a ceux avec qui on parle. Il y a ceux avec qui on ne parle pas. Il y a ceux avec qui on cause. Il y a ceux avec qui on ne cause pas. Il y a ceux qu'on salue. Et il y a ceux qu'on ne salue pas. Il y a la jalousie au milieu de nous. Il y a une catégorie de personnes que tu aimes. Mais il y a d'autres que tu n'aimes pas. Tu es encore bébé. Tu es encore enfant. De la haine dans ton cœur. Tu fais semblant de saluer ton frère.
dernier. Tu fais semblant de connaître avec les gens, alors qu'en vérité, tu as quelque chose contre ces personnes. Il y a des clans. Non, moi je suis à telle personne. Je ne suis pas à telle personne. Je marche à telle personne, je ne marche pas à telle personne. Tu te dis chrétien. Ça, c'est l'état des bébés, le lait maternel. On est bébé, c'est vrai. Mais nous sommes appelés à grandir, peu de Dieu. Nous sommes appelés à évoluer, peu de Dieu. Nous devons laisser l'état du lait, peu de Dieu. Et commencer à détruire la nourriture. Je ne parle pas de notre corps parce que je parle de la parole de Dieu. Pourquoi tu vas prendre dans le livre de Matthieu 4? Matthieu 4, verset 1. Attends. Matthieu 4, verset 1, attends. Vu amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché, lui dit: si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Père de Dieu. Et bien, quand tu as ce niveau, Père de Dieu, rien ne peut te parler. Parce que tu sais où rentrer pour donner la réponse qu'il faut à la personne. Il a eu la réponse qu'il fallait. Quand tu as ce niveau, Père de Dieu, pendant que l'homme de Dieu dort, même peu importe le mal, tu sais où rentrer pour le sortir. Tu as le verset qu'il faut pour pouvoir triompher du mal qui te fatigue. Tu as la parole qu'il faut, Père de Dieu. Pourquoi te réconforter toi-même? Mais jusqu'à présent, tu as l'état du lait. Parce que tu n'arrives pas à te nourrir de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à t'édifier toi-même, à t'encourager toi-même. Tu te soucies encore de ta journée. Tu crées encore pour ta vie. La même que paniqué. Mais lorsque tu fais la parole de Dieu, tu sais une chose. On t'attaquera par un seul chemin, mais ils t'enfuiront par sept chemins différents. Donc lorsque tu as la réponse qu'il faut, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas ébranlé. Mais tu ne peux pas avoir la réponse qu'il faut. Tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Dieu. Un homme de Dieu a dit ceci. Il dit: tu peux prier pendant 3 heures du temps. Il ne peut méditer pendant 30 minutes. Et la personne sera plus remplie que toi. Parce que lorsque tu médites, Père de Dieu, lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, tu renforces la puissance de ton âme. Tu fais du bien à ton âme. Si ton âme est forte, tu ne peux plus de prier. Parce que le diable a peur de t'approcher. Mais qu'est-ce que tu nous donnes? C'est la parole. Notre esprit est nourri de la parole de Dieu.
paniquer. Or pourtant la Bible déclare que par ses maîtres nous sommes guéris. Lorsque tu connais la tête, tu dis Seigneur, ce n'est pas normal. Parce qu'il est dit que par tes maîtres je suis guéri. Donc la guérison sommes en partage. Automatiquement, la guérison est obligée de s'attacher à ton âme. Mais si tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras paniqué. Parce qu'en vérité, tu ne connais pas ton identité. Mais pourquoi tu ne connais pas ton identité? C'est parce que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Dès qu'il y a une situation, automatiquement tu es paniqué. Mais tu te paniques pourquoi? C'est parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Il est important que tu te nourris de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu vas le faire, tu vas voir que les situations de Dieu qui te perturbent ne vont plus jamais te perturber. Souvent nous sommes paniqués par une situation. Tu appelles l'homme de Dieu, puis il est serein. Il est tranquille. Il n'est pas paniqué. Mais pourquoi il n'est pas paniqué? Parce qu'il se nourrit de la parole de Dieu. Il connaît la solution à ton problème. C'est dans la parole. Est-ce que tu me suis ce matin? Troisième point, la nourriture solide. La nourriture solide de Dieu. La nourriture solide. Nous devons être en mesure de servir Dieu. Nous devons être en mesure de répondre aux besoins des autres. Nous devons être en mesure de Dieu d'être une solution pour les autres. Nous devons être en mesure de édifier les autres, de consoler les autres. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la nourriture solide. Tu ne pourras pas le faire, mais de Dieu. Vous savez, lorsque tu as l'étape de la nourriture solide, c'est à ce moment-là que tu peux te permettre d'aller évangéliser. Tu peux te permettre de parler de Jésus à une personne qui est en face de toi. Tu peux te permettre, de Dieu, d'aller même prier pour les malades. Parce que lorsque tu vas dans les hôpitaux, tu vas prendre toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce que toi, quelle personne peut te dire? On va prendre notre Bible dans un livre de Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Des oracles de Dieu. Vous allez venir à avoir besoin de l'aide et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est Dieu. Jusqu'à présent, il y a encore de la haine dans ton cœur. Jusqu'à présent, tu es encore paniqué lorsqu'il y a des petites situations. Oh, pourtant, peuple de Dieu, tu devais arriver à un niveau où tu dois pouvoir enseigner la parole de Dieu. Tu
dois pouvoir consoler les autres par ton enseignement. Tu dois pouvoir édifier les autres par ton enseignement. Mais il est difficile pour toi d'atteindre ce niveau. Pourquoi? Parce que tu ne te nourris pas de la nourriture spirituelle. Dans le péché, dans le désordre. Mais tu ne sais pas par où entrer et par où sortir. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu vois la personne en train de souffrir. Mais qu'est-ce que tu dois dire à la personne pour le réconforter? Tu ne sais pas. Parce qu'il te manque la nourriture pour l'esprit de Dieu. Tu vois, tes soeurs, tes petits soeurs comme tes grandes soeurs. Vous mettez tes petits frères comme tes grands frères. Ils mettent une vie de tes hommes. Mais tu ne sais pas comment faire pour qu'ils puissent changer leur vie. Ces frères, il est bon de prier pour eux. Mais est-ce que tu arrives à les convaincre au travers de la parole? Est-ce que tu es identifié lorsqu'ils te sentent mal? Lorsque tu ne vas pas chez eux, est-ce que tu arrives à les parler au travers de la parole? Quand tu vois la sœur, peuple de Dieu, être mal à l'aise, est-ce que tu arrives à lui donner la parole qu'il faut, l'enseignement qu'il faut? Tu n'arrives pas à le faire, pourquoi? Parce qu'il te manque la nourriture solide. Plus grave, peut-être que toi-même, tu vis la même situation. Je n'ai pas encore trouvé une solution pour moi, mais pas pour moi, que j'ai la solution. Et t'as dit que bien que tu viens à l'église, mais vous êtes même chose. Tu ne peux pas lui parler comme ici, toi. Il est difficile pour toi d'enseigner. Et déjà, les personnes, lorsqu'ils vont évangéliser, quand les pauvres disent qu'elles sont deux questions, ils disent je viens. Paf, il disparaît. Moi, je vois des débats, les musulmans. Elle est chrétienne. Tellement ça change sur les chrétiens. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il réduit sa foi chrétienne automatiquement. Tu vois tellement que la vie est mal mais peut de Dieu. C'est difficile pour lui à la maison. Dans le quartier, il a honte de dire qu'il est chrétien. Mais pourquoi c'est difficile pour toi? Il a peur qu'on l'appelle chrétien. Quand il porte dans un endroit, il voit quelqu'un en train de mourir, il fait grand coup. Parce que tous les chrétiens le font les dimanches avec une grosse Bible. Donc on ne peut pas qu'on va l'appeler et puis il n'y a pas de solution. Donc il va faire grand coup. Toi, ton chrétien, c'est quoi? Tu es encore enfant? Mais là où on parle de calomnie, il est présent. Là où on parle de critique, il est présent. Là où on parle de renier son frère, il est présent. Pourquoi il est présent? Parce qu'il est toujours enfant. Mais lorsque tu te passes de Dieu ce niveau, là où on calomnie les pères, là où on calomnie les autres, tu t'es loin de ce lieu-là. Parce que ça ne te ressemble pas. Tu n'es plus là pour critiquer, mais tu deviens maintenant une solution pour les autres. Tu deviens un maître pour les autres, peuple de Dieu. Tu ne peux pas parler à ton homme ou bien à ta femme au travers de la parole pour qu'elle puisse te rétablir. Parce que toi-même, tu es enfant. Dans la Bible. Donc quand ton homme fait quelque chose, quand tu lui montres le verset, il a peur. Mais si tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas utiliser ce verset pour lui parler? Et puis il y a des gens aussi qui ont fini avec ça. Quand tu finis de parler, il dit, il dit donne-moi le verset. Tu es là maintenant, tu es bloqué maintenant. Il y a des gens qui ont fini avec ça. La Bible, il dit ça est où? Donc tu es là maintenant, tu es paniqué. Pourquoi? Parce que tu n'as
n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu, la connaissance de la lecture solide. Tu es encore enfant, bien vrai que tu viens à l'église. Bien vrai que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu viens à l'église. Mais tu es encore enfant. Et comme tu es encore enfant, tu n'arrives pas à discerner le bien et le mal. Si tu vois quelqu'un qui vient à l'église de Dieu, et malgré que la personne vit dans le péché, c'est que la personne est encore enfant. Tu peux avoir 20 ans de ministère et puis être enfant avec Dieu. On peut t'appeler patriarche, c'est un homme, mais devant Dieu tu es enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Il te dit patriarche, il te dit archibishop, mais il vit dans le péché. Mais pourquoi il vit dans le péché? C'est parce qu'il est encore enfant. Dieu vient qu'il est vieux dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont vieilli dans la maison des parents, qui sont des hommes ou des femmes. Tu peux être dans la maison de ton père et puis être toujours enfant. Parce qu'un homme ne vit pas dans la maison de son père, mais il va partir sa propre maison. Les gens peuvent se lever.
les matins. Les gens peuvent se soucier, mais toi tu ne te lamentes pas avec Dieu. Les gens peuvent dire que le pays ne s'en va pas. Le pays là était difficile, mais toi tu vas jamais tout cela. Parce que même lorsque c'est dur, pour toi là, ça va sortir. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de Dieu, de la parole. Tu es au niveau du miel. Tu connais les secrets de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches comme la parole. Il y a des chrétiens, quand tu les vois marcher, quand tu les vois vivre, tu n'as plus envie de demander si le Dieu de l'Ouvrier est amour. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont tellement amour que tu comprends tout ça déjà. Donc, ils sont tellement aimés, Père de Dieu, que tu sais déjà que la Bible est dans cette humble. C'est pourquoi souvent, quand vous partez dans les entreprises, même nos frères musulmans, les frères musulmans, ils préfèrent confier le poids où il y a l'argent à un chrétien qu'à leurs frères. Parce que quand ils te regardent, quand tu dis que tu es chrétien, un chrétien, Père de Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Lorsque tu arrives à ce niveau du miel, bénédiction de Dieu est obligée de s'attacher à toi. C'est pourquoi Dieu veut. La parole te fait grandir, Père de Dieu. La parole te rend fort, Père de Dieu. La parole te donne la victoire. David n'est pas Dieu Goliath parce qu'il était fort. David est Dieu Goliath parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. David est Dieu Goliath, Père de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a élevé Dieu. Oh, il ne peut pas élever Dieu qui n'a pas la connaissance de sa parole. Celui qui a la parole de Dieu, il est difficile pour cette personne de rater des opportunités. David a su saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'aucun Dieu ne pouvait contre le Dieu d'Israël. Il avait la maîtrise de la parole de Dieu, Père de Dieu.
rate l'opportunité. Il rate l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des solutions. Ils ne sont pas au niveau du bien. Souvent, Dieu ne te révèle pas pour te révéler. Mais Dieu te révèle pour qu'au travers de ta révélation, tu puisses être positionné. Il y a des hommes de Dieu qui ont donné une prophétie à des personnes. Et la prophétie a changé leur vie. Mais pourquoi ils t'ont donné plus à changer leur vie? C'est parce qu'ils ne vont pas arrêter à l'état de donner. Non seulement ils t'ont donné, mais on nous trouve la solution à leur problème. Dieu nous appelle à être des solutions, peut-être Dieu. Dieu nous appelle à manifester sa gloire. Dieu nous appelle à être des témoignages vivants. Dieu nous appelle, peut-être Dieu, à être des témoins vivants, peut-être Dieu. Tu ne peux pas manifester sa gloire si tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un témoignage pour Dieu, peut-être Dieu, si on ne lit pas la parole au travers de ton comportement. Tu as trop pleuré, ses frères. Mais il est temps que tu arrêtes de pleurer, Père de Dieu. Faut te concentrer sur la parole de Dieu. Tu as trop prié. Il est temps que tu médites la parole de Dieu. Il est temps que tu t'attaches à la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Parce que même la bénédiction a ses principes. Si tu ne respectes pas les principes de la bénédiction, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Mais tu ne peux pas respecter quelque chose si tu n'as pas la connaissance de la chose. On obéit à la loi parce qu'on a la connaissance de la loi. On obéit aux règles parce qu'on a la connaissance des règles. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de méditer sa parole. Les solutions à ton problème, ce n'est pas dans la bouche de quelqu'un, mais c'est tout dans la parole. La solution à ton problème de Dieu, ce n'est pas dans la bouche de l'homme de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu. Dieu a déjà tout révélé. La Bible, c'est la pensée de Dieu, c'est la mémoire de Dieu. C'est quand tu vis la solution, c'est tout dans la parole de Dieu. La gloire que tu attends, Père de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu. De Dieu à s'attacher à la parole de Dieu. Je vais t'appeler ce matin, Père de Dieu. Il ne se lève qu'un seul verset par jour, ça te fera du bien. Même si tu peux lire un chapitre, pour le lire, ça te fera du bien. Parce que par jour, si tu passes 3 minutes dans le Facebook, ce n'est pas 10 minutes, tu ne peux pas passer en tête de méditer la parole de Dieu. Il est bien de s'informer, mais il est encore plus meilleur de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la meilleure information, c'est la parole de Dieu, Père de Dieu. L'information sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas t'amener à quelque part. Mais la connaissance de la parole de Dieu peut t'amener à gravir les échelons, Père de Dieu. La parole de Dieu peut t'amener à atteindre le sommet. La parole de Dieu, Père de Dieu, te donne la sagesse. La connaissance que tu cherches, ce n'est nulle part que dans la parole de Dieu. J'ai vu des personnes qui n'ont pas allé à l'école, mais quand ces personnes te prêchent la parole de Dieu, Père de Dieu, tu es merveilleux. J'ai vu des intellectuels, Père de Dieu, des fonctionnaires qui ne sont pas intelligents dans la vie active, mais j'ai vu des chrétiens être intelligents et de grands entrepreneurs, mais qui les donnent intelligents, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Le frère n'a pas besoin de dire en toutes sortes de secrets. Mais tout dit ces secrets, c'est dans la parole de Dieu au travers des psaumes du tout. Ton commerce ne marche pas, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Ton mari ne reste pas à la maison, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Ta femme ne te respecte pas.
La solution, c'est dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, Père de Dieu, tu vas voir qu'elle va commencer à avoir peur. Tu vas pas les faire peur, c'est important. Mais si tu ne connais pas, tu vas lui monter la voix. Tu vois ton fils dans les vues dans les désordres. Pourtant, tu n'es pas là, tu ne connais pas la Bible. Chaque matin, tu dis petit fier par terre l'église. Enfant fier par terre l'église. Mais tu lui dis pas à l'église, là, ça donne quoi? Et puis lui-même, là, depuis tu vas à l'église, là, il ne voit rien. Parce que tu vois, c'est ça. Il y a 20 ans, tu es chrétien, puis on ne voit rien. Il y a 10 ans, tu es chrétien, puis on ne voit rien. Lui, il n'est pas chrétien, il avance, il évolue. Et puis toi, tu viens vers lui, frère, allons à l'église. Entre nous, tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes une personne là, tu ne l'amènes pas où il y a la souffrance. Mais tu l'amènes où il y a la victoire. Mais lorsque la parole de Dieu, vit au travers de ta personne, lorsque la parole de Dieu, Père de Dieu, on la constate par ta vie, tu n'es pas obligé de dire au frère, si on va partir à l'église. Un matin, il va te demander, voisin, pour toi-même là, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Et puis ça va chez toi. C'est à ce moment que tu vas lui dire, mon secret, c'est dans la parole de Dieu. Mon secret, c'est que je suis chrétien, c'est que je vais à l'église, c'est que j'attends Dieu. Mais tu ne veux pas lui dire cela, parce que la parole ne se manifeste pas en toi. Tu attends de témoigner. Tu ne veux pas témoigner si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est que tu dois savoir, Père de Dieu, c'est que Dieu ne nous bénit pas. Pourquoi nous mourons? Il ne nous bénit pas pour que nous puissions souffrir, non. Dieu nous bénit pour être un témoignage vivant. Dieu nous donne une bénédiction qui n'est venue d'aucun chagrin. Donc si Dieu te donne des milliards, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le plus petit des sorciers de ta famille peut t'attaquer et puis t'ôter la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de la parole de Dieu un bouclier de toi. Tu n'as pas la connaissance des armes spirituelles. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, Père de Dieu. Il est important de chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu, enfant de Dieu. Il est important de quitter l'état du lait pour arriver à l'état de la nourriture. Et de la nourriture solide. Et ensuite du miel, Père de Dieu. Parce qu'il est temps qu'on voit cette gloire qui est sortie. Cette gloire qui est sortie, Père de Dieu, il est temps que cette gloire se révèle. Il est temps que l'étoile, Père de Dieu, qui est assomprie, puisse briller maintenant. Il est temps que tu sois un témoignage vivant maintenant. Il est temps que tu manifestes la vie de Dieu. Il est temps pour toi, Père de Dieu, que par ta vie, que ta famille puisse être gagnée. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Que la chrétienne et ainsi de suite, selon le bon vouloir de Dieu. Ce matin, tu vas mettre ta main dans ta poitrine. Et tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu de te donner la force pour pouvoir méditer ta parole. Tu vas dire à Dieu qu'il est temps que tu quittes l'état des enfants. Il est temps que tu quittes l'état de la nourriture. Il est temps que tu quittes l'état de la nourriture solide. Il est temps d'avoir accès au miel de Dieu. Parle à ton Dieu maintenant, Père de Dieu. Tu m'as dit à Dieu que tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais la seule personne qui a la capacité de t'amener à le faire, c'est le Saint-Esprit. Souvent, Père de Dieu, tu as envie de méditer. Mais lorsque tu ouvres la Bible, tu commences à dormir. Dis à Dieu de dire pour être toujours à ta faveur.
de Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu maintenant. Élève la voix, Père de Dieu, et parle à ton Dieu. Dis-lui qu'il est normal que tu gravives maintenant. Tu n'es pas né pour être au même niveau. Tu n'es pas né pour être dans la même situation. Mais tu es né pour évoluer. Tu es né pour grandir. Alors parle sincèrement. Je ne t'entends pas prier, Père de Dieu. Je ne t'entends pas prier ce matin. Je vois que, Père de Dieu, en tant que la situation que tu vis te plaît. En tant que la situation que tu traverses, ça te plaît. Tu es Dieu, que tu n'es pas normal. Qui te donne la force de te donner à ta parole. Parle, Père de Dieu. Je vois quelque chose venir à toi comme un colombe. C'est ça qui est la puissance de Dieu. Attends-toi le matin qui t'appelle la vérité. Pourquoi ce matin soit puissant maintenant, Père de Dieu? Je vois la salle qui t'appelle la vérité de parole. Je vois la salle de l'effet, Père de Dieu. Je vois la chaîne qui est puissante. Et je vois ta force de la vie maintenant. La force de ma tête à vie maintenant. La force de la vie maintenant. Alléluia. Avant que je prenne ma vie, dès que je joue net, on est dans le petit sable dans mes yeux. J'ai toi en même temps. Mon gars me dit, hé, quelqu'un est de Dieu ou quoi? Alléluia. Tu sais que ça t'arrive. La Bible est son militaire pour toi. Parfois, mais quand je cherche sommeil, je prends la Bible. Dès que je joue net, sommeil dit. Alléluia. Donc tu as envie de quitter
Le niveau de l'air pour aller à la nourriture, mais tu ne sais pas quand. Peut-être qu'il y a un esprit quelque part qui te fatigue. Alléluia. Qui t'empêche de lire la parole de Dieu. Qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu a la capacité de changer ta vie. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Amen. Parce que quelqu'un allait te tenir debout. Tu allais te révolter pour parler à Dieu. En tant que maman, tu dois te révolter. Si j'avais dit qu'elle s'est mariée, les gens allaient courir ici. Alléluia. Alléluia. Je te parle de la prière pour méditer la parole de Dieu. En tant que maman, tu dois te tenir debout. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas ordonner au tout esprit. Tu t'empêches de méditer la parole de Dieu. Tu t'empêches de lire la parole de Dieu. De libérer ta vie. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Doucement, alléluia. Faut pas te cacher derrière la musique. Faut prier l'Éternel. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Je déclare. Je déclare. Tout esprit qui m'empêche. Qui m'empêche de méditer la parole de Dieu. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je ordonne. Cet esprit. Je libère ma vie. Allez, tu pars. Allez, pars. Allez, pars. Pendant que je bats la main. Je bats la main. Je bats la main. Allez, par là, je bats la Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. L'esprit va te libérer. L'esprit va te libérer. Voilà le canal. 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 Allez, tu pars. Allez, tu vas vivre, allez, tu t'en vas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame l'Éternel des armées. Oh. Alléluia. Alléluia. Dieu est là, comme le Seigneur pour la vie de son serviteur. Tu as prêché la parole de Dieu. Sa vie s'est passée pour lui bénir. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie. Dis à quelqu'un, je suis béni. Alors, dis à ton voisin, dis-lui, je suis béni. Dis-lui, je suis béni. Dis-lui, voisin, à partir d'aujourd'hui, je veux méditer la parole de Dieu. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Nous allons passer à une deuxième offrande. Après de tel message, nous devons s'aimer. Pour dire merci à Dieu. Parce qu'il a envoyé son ange pour nous bénir. Alléluia. Prends ton offrande avec moi. Et viens déposer dans la maison de Dieu. Viens rapidement. Prends ton offrande, viens rapidement. Pendant que le musulman nous a un chant, un petit chant de louange. Prends ton offrande, viens déposer rapidement. Viens déposer ton offrande. Bien aimé, avant de passer aux annonces,
Je voudrais demander si quelqu'un a un témoignage. Alléluia. Un témoignage. Acclame le Seigneur pour la vie. Ah, du petit frère de notre papa, Joshua. Viens mon frère. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Ça fait un an, je ne sais pas quoi. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. L'année de voir. Seulement que. Dieu me dit que vous devez faire plus d'efforts. J'ai commencé à suivre les traces de mon père cette année-là. J'ai ouvert une cellule de prière, c'est pour ça que je voulais te voir. J'ai ouvert une cellule de prière et le premier jour, c'était un dimanche, le dimanche s'est passé. Il y avait 20 personnes. Ha! 20 personnes. C'était pas organisé, on a juste fait un coup de tête, moi et des amis, on a dit ok. Chaque jour on parle de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de Dieu à la jeunesse. Ok, le dimanche, on fait ça, 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 ça. Et le dimanche, il y a 20 personnes qui sont venues dans un petit salon chez mes camarades. J'ai dit, waouh, on était au moins 5 pasteurs à prêcher. Donc, 5 ont déjà à prêcher. C'est bien passé. J'étais vu, j'étais regardé tout de suite, tu te rappelles? On s'est passé du regard. Je vois de l'or par terre. Qui va avoir de l'or? Vous n'êtes pas dynamique. Qui va avoir de l'or? Je te vois nettoyer l'église en fait. Je te vois nettoyer. Tu es déjà venu de l'église? Non. Donc tu comprends maintenant pourquoi tu es encore dans ce stade de ta vie. Tu comprends? Je te vois nettoyer l'église. C'est ta soeur. Je la connais pas. Je vous vois de nettoyer l'église. Et je croyais que pendant qu'elle nettoyait avec ses pieds, elle ramassait de l'eau. Mais est-ce que vous voulez de l'eau? Est-ce que vous savez comment on fait pour avoir de l'eau? Vous voulez que papa réussisse? Quand on va appeler le nom des plus grands pasteurs à Abidjan, son nom peut être dedans, oui ou non? Maman, toi, un changement va se passer dans cette église, mais à partir de toi. Tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Dimanche prochain, je ne serai pas là. J'ai assuré le budget. Je ne serai pas là, mais invite 3 personnes. Au travers de ces 3 personnes-là, tu ne vas pas simplement changer ta vie, mais à cause de toi, tu vas changer la vie de ces personnes-là. Je ne les vois assis là-bas, derrière là-bas. Ils seront assis derrière là-bas. Dieu me dit qu'il y aura un changement. Qui pense ça? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un grand homme. Et aujourd'hui, il ressemble à un nibo. Je vois, sérieusement, je ne m'abuse pas. Je vois mon papa avec ce homme-là. Et mon papa, c'est quelqu'un de très puissant. C'est déjà dans la famille qu'il a pris son papa, qui a pris son papa. C'est dans la famille. Et je vois avec ce homme-là. Il va vous donner quelque chose que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prêt à recevoir ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore pris en tête que Dieu peut le faire. Vous venez à l'église, certes. Vous donnez les offrandes, oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Depuis que quelqu'un vient dans cette église, qui a déjà une promotion? Une promotion. Personne. Pas parce qu'il n'a pas prié pour la promotion. Il a prié pour la promotion. Je vois que la promotion est là. Mais vous n'avez pas prié en fait.
vous avez laissé la promotion passer. Je ne savais pas tout ça. C'est quand je suis arrivé aujourd'hui dans les prières là. On est très très proche. Que les éléments de ces jours. Quand vous venez à l'église, s'il vous plaît, ne dormez pas. Parce qu'il prêchait. Il y avait le feu là. Le feu devait prendre toute l'église. Et si ce feu avait pris toute l'église, je vous assure que cette semaine-là, vous a. Le dimanche prochain, le dimanche qui va suivre, vous allez venir donner des témoignages et des ordres. Mais vous avez laissé le feu s'arrêter juste ici. Et pourquoi vous comprenez ici? Je ne peux pas m'adresser, vous êtes madame Boulay. Pas de rose. Mais est-ce que tu vas interpréter? Interpréter. I need interpretation, that's what I'm talking about. You see? You can interpret. Okay, so come on. Come on. Come on. Mama. God bless you. You can interpret. Okay. So give her a microphone. I don't feel the fire. No, I don't feel it. I don't feel it. I feel it when I cough. I feel it here. Okay. But I don't feel the fire. This place. Maintenant, this place. Elle va pas faire la famille. Elle a sa part de faire. Elle s'en parle de fait. Maman, what are you doing? What are you doing? Ok. Children, okay, the beginning of changement will start from a boy. You're having a boy, okay? We start from a boy. The beginning of the changement, where are they? The children, Nigeria. Oh, so you're my sister. Okay, the beginning of the changement will start from your children. That's one thing, either you put them under. Directly under him. I think he can start learning English. He will talk with them. Or they should be going to church regularly. Because changement is starting from them in your life. Do you believe? God is so natural. On ne prie, maintenant, on ne doit plus prier pour un spirituel, on doit prier pour un divin. Vous savez ça? Vous ne laissez pas Dieu parler. Vous ne laissez pas Dieu parler. N'est-ce pas Dieu parler? Je suis parti à la salle de prière, j'ai prêché. J'étais le plus jeune. 19 ans. C'était à 21h, 25h. Les gens étaient touchés. Il y avait une maman qui était assise, elle était venue avec sa fille. Je n'allais pas montrer des choses sur la fille, j'ai prophétisé pour la vie de la fille. Quand ma maman est rentrée à la maison, elle a pleuré pour dire. Elle a dit à la fille qui organise notre atelier de me dire merci. Parce que Dieu vient de faire. Bon, je ne sais pas. Dieu vient de faire. Je veux dire merci à Dieu parce que cet homme-là, je sens le feu. Je sens le feu. Il vous la partage chaque jour. Il vous la donne chaque jour. Mais vous ne pouvez pas prendre ce feu-là. Je vends le groupe musical qui s'agrandit. Je vends le groupe musical qui s'agrandit. Il y aura deux autres filles. Le batteur, désolé, il est où? Le batteur va changer. Tu ne t'inquiète pas, tu auras le batteur second. Le batteur va changer. Il y a des talents dans cette église que Dieu veut utiliser, mais qui sont tous cachés. Maman, il a dit que c'est pas toi que Dieu va commencer.
Il me remonte ça en fait. Arrêtez de tourner à l'église. Parce que la solution se trouve à l'église. Maintenant, j'ai décidé de ne plus être chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je suis disciple de Dieu. Parce qu'un chrétien, il va marcher, il va marcher, il va marcher. Arrivé à un niveau, il va tourner. Parce qu'il va se dire, ce qui est là-bas, là, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller au bois de nuit. Maintenant, je suis disciple de Dieu. Ce qui veut dire que je marche en travers avec Dieu. Je marche sur les pas de Dieu. Vous venez à l'église, vous dormez. J'ai vu des gens qui somnolaient. J'ai vu des gens qui n'étaient pas concentrés. J'ai vu des gens qui s'attendent à ce qu'on vienne prendre mariage et puis déposer dans les mains. On ne fait pas ça comme ça. On ne fait pas ça comme ça en fait. Je suis désolé pour le temps. On ne fait pas ça comme ça. Dieu veut vous changer. Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Dedans, Dieu veut te changer. Je te vois, tu es devenu clair comme ça. Je vois ça en fait. Mais c'est pas de le thé en fait. C'est une lumière. Ça commence à briller encore plus. Papa, il ne va plus prier parce que moi je ne vais pas prier parce que c'est comme ça. Il voit une lumière. Il voit une lumière. Il y a une voiture rouge qui est venue devant ici. Dans le spirituel, pas dans le physique, il y a une voiture rouge qui est venue devant ici. Il y a une voiture rouge. C'est à un membre de cette église. Le service d'homme. Vous deux. Mon papa m'a dit, j'ai dit à mon papa que je veux faire. Il y a une fille qui est venue à la suite de prière. La fille, elle était. Elle est possédée par des génies et par un esprit de serpent. Le jour où on devrait participer à sa délivrance, je ne sais pas si c'est Dieu ou bien si c'est l'homme, mais je n'ai pas pu aller. J'ai dit à mon papa, papa, la fille, on doit terminer sa délivrance parce qu'il n'a pas fini. Il dit, on ne peut pas mettre la fille. Mais Sabine, j'ai béni le nom du Seigneur parce que c'est l'anniversaire de mon mariage. Ça fait un an de mariage. Amen. Regardez mes amis. En quelques secondes, je te dis quelque chose. Très important. Écoute-moi. Ça fait un an du mariage. Les un an n'ont pas été faciles. Mais Dieu a permis que nous arrivions à un an de mariage. Ce qui m'a aidé à quitter du cheminement au mariage, ce sont les saintés. Il y a qu'un 5D. 5D. Les 5D. Mes amis, je veux dire à une personne ce matin. Si tu restes avec quelqu'un et ça fait 3 ans que vous apprenez seulement à vous connaître, déplace-toi un peu. Ah, dis à quelqu'un, déplace-toi un peu. Fuis-le un peu. Dis à quelqu'un, fuis-le un peu. Depuis, je suis en train de te connaître. Et pendant qu'il apprend à te connaître, il te connaît en profondeur. Amen. Agnès, dis à quelqu'un, déplace-toi un peu. Laisse-le. Imagine que tout à l'heure le Seigneur venait. Mes amis. Et il apprend toujours à te connaître. Amen. Imagine là où tu seras. Amen. Ce qui m'a aidé à quitter le cheminement et aller au mariage, ce sont les 5D. Dis à quelqu'un 5D. 5D. Hein, les premiers D. Il faut avoir le désir d'y arriver jusqu'à haut. Tu ne peux pas prendre enfant de quelqu'un et puis ça fait 10 ans, 20 ans, vous apprenez seulement à vous connaître. Amen.
Elle le désire de quitter du cheminement à au mariage. Le deuxième D, c'est la décision. Tu as pris la décision. La décision. Mes amis, tu peux désirer et puis ne pas voir la chose si tu ne décides pas. Car la Bible dit, à telle résolution, réponds quoi? Le succès. Ok, quand on parle de résolution, on parle de décider fermement. Donc je ne peux pas avoir le désir. Mais si je ne décide pas, je n'y arriverai jamais. Tu n'y arriveras jamais. Amen. Donc décide. Après la décision, c'est la détermination. Tu as quelle est la détermination? La détermination. La détermination. Sois déterminé. On a les frères, on a les soeurs ici. Tu marches avec quelqu'un. Et un coup, pouf, tout se brise. C'est pas ça? Tout se brise, tu ne comprends pas. Pourquoi? Regardez, écoutez-moi très bien. Quand tu es à l'état de la détermination, garde ton cœur. Dis à quelqu'un, garde ton cœur. Mes amis, c'est pas tout le monde qui sont attachés à toi qui désire que tu te maries. C'est pas tout le monde qui est attaché à toi qui désire que tu te maries. Quand tu es déterminé, les gens viendront te dire, hey, ma soeur, c'est celle-là que tu as vue. Toi aussi, quand tu te regardes comme ça, oui, jolie mannequin, cette femme comme ça, tu as vu. Mon frère, on ne marie pas la beauté, on marie le caractère. Même si elle est tordue, elle peut me redresser quelque part. On amène le prophète. Amen. Attends, regardez la femme. Il a dit, cette fois-ci, quand c'est lui qui a eu plusieurs fois, il dit, cette fois-ci, là, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. On appellera. Il dit, ça, c'est pour moi. Cette fois-ci, là, c'est pour moi. Arrivé à ce moment, arrête-toi, puis il faut dire, c'est facile. On part et on part. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la détermination qui m'a amené au mariage. Sinon, les gens parlaient. C'est la fille que tu as pris. Celle qui est à Paris, là, elle est tordue. C'est là, mon frère. Si elle est tordue, mon Dieu peut la redresser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et quand tu es déterminé, écoutez-moi très bien. Il ne faut jamais présenter. Je reprends, puis je reprends. Il ne faut jamais présenter. Il ne faut jamais presser pour présenter ton conjoint tant que ce n'est pas encore terminé ou achevé aux gens. Il y a des femmes là, si elle a vu joli garçon, oui, mon gars là, tu veux présenter ton gars à tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde qui veut que tu te maries? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Fils, sois déterminé. Sinon, il y a des gens qui viendront te décourager dans cette histoire-là. Mais c'est ta détermination qui t'amènera quoi? À destination. Est-ce que vous me comprenez? Mais... sois déterminé. Alléluia. Et garde le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe. Garde son cœur. Parce que le cœur est comme quoi? Un champ. Et au fur et à mesure que c'est-à-dire que ce chant-là, on sème un matin, la personne peut te dire, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas, c'est parce qu'elle a trop entendu. Mm-hmm. Et c'est parce qu'elle a trop ou il a trop entendu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que personne ne te freine si tu es déterminé. Est-ce que vous comprenez? Que personne ne te freine. Quatrième chose, fais les démarches. Fais les démarches. Ah! Ça fait 5 ans que tu es la soeur. Coco, même là, tu ne connais pas. 20 000, tu ne connais pas. Ah! On doit encore t'imposer les mains ou verser une rouge sur ta tête ou quoi? Comment ça fait les démarches? Écoutez-moi très bien. La provision ne suit pas la vision.
c'est la vision qui suit la provision. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu existes, ça veut dire qu'il y a un partenaire pour toi. Et quand Dieu permet que tu rencontres ce partenaire, la seule chose que tu dois faire, commence à faire les démarches. Même si tu as 10 francs, commence à faire les démarches. Le Seigneur va te suivre dedans. Le Seigneur va t'accompagner dans les démarches. Oh, je ne sais pas si tu me parles. Hein? Il va t'accompagner. Moi, je n'ai même pas 5 francs pour faire mon mariage. Ni la torte, ni coco. Mais quand j'ai dit, on démarre, mes fils ont dit, papa, ça fait combien? Ça fait combien? Amen. Pourquoi? Parce que je me suis levé. Écoutez-moi très bien. Celui qui fait les démarches se lève, il fait les pas. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui est assis, il ne peut jamais arriver. Quoi que même il décide, quoi que même il désire, il ne peut jamais arriver. Mais quand tu te lèves, tu commences à faire les pas, tu arrives toujours. Est-ce que vous comprenez? La cinquième chose, tu le fais à cause d'amour. Voici les 5 T qui peuvent t'amener, t'enlever du chemin au mariage. À cause d'amour. Et ne te marie pas parce que tu vieillis. Ne te marie pas parce que les autres sont en train de se marier parce que ce n'est pas la course. Ne te marie pas parce que tu veux que quelqu'un prenne soin de toi. Non. Le mariage, ce n'est pas qu'on prenne soin de toi. Je dois prendre soin de un homme. C'est ça le mariage. Et on ne se marie pas par pitié. Non, c'est. Quand il dit c'est bon entre moi et lui, il commence à pleurer. On ne se marie pas comme ça, par pitié. Non, si elle laisse sa maman, va dire quoi? On ne se marie pas pour ça. On se marie par amour. Est-ce que vous comprenez? On se marie par amour. Tiens-toi, bébé. Oh. Mes amis, ce sont les 5 thèmes là qui m'ont été. Je suis rentré dans ma tête aujourd'hui, ça fait 1 an. Acclame le Seigneur pour moi aussi quand même. Amen. Une semaine bénie. Je prie, Père éternel, que tu leur donnes la force de demeurer dans ta présence, de méditer ta parole. Je prie, Dieu de grâce, que tu les fasses grandir, que tu les fasses monter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu sois, que tu les précèdes par tous les irons, que tu sois le bouclier, que tu sois le pourvoyeur, que tu sois le protecteur. Je prie, Dieu de grâce, Saint des Saints, que tes malheurs ne les arrivent, que tout plan diabolique contre eux échoue au nom de Jésus-Christ. Je prie, Dieu de grâce et de miracles, que là où les prédictions étaient suspendues, que cette semaine soit une semaine de témoignage, cette semaine soit une semaine de visitation, cette semaine soit une semaine de bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Dieu de grâce, que tout plan diabolique contre eux
échoue au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dit Amen trois fois. Amen. 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 Amen.